Your business will be rise. Votre business va être fait. Your career will be rise. Ton carrière va s'élever. Your future will be rise. Ton avenir va s'élever. So you need to be prepared yourself. Donc il faut te préparer. I say you will rise again. Je dis tu vas te lever encore. I say you will rise again. Je dis tu vas te lever encore. You will rise again. Tu vas te lever encore. You will be free. Tu seras libre. You will be healed. Tu seras délivré. In the name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus Christ. Amen. Amen. Thank you, Father. Merci, Père. Non puissant de Jésus-Christ. Ah, sors de lui.
You do not have any option at all. Tu n'as aucune option de partir. Pick him up. To reach wherever you are. Believe is your connection. What just brings? So you say, God, ça c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Il n'y a rien qui est possible à Dieu. Avec Dieu, tout est possible. So you say, God, il n'y a aucune maladie que Dieu ne peut pas guérir. Il n'y a aucune situation ou condition que Dieu ne peut pas mettre fin. Si tu as une condition, si tu as une situation, connectez-vous à cette délivrance. Parce que la distance n'est pas une barrière. La puissance de Dieu. Pour que quand il sera déclaré libre, vous aussi. Va, fais! Va, fais! Va, marche en Jésus. Fais dans le nom puissant de Jésus. Va, marche en Jésus. Dieu le fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Voilà la puissance qui se manifeste dans le nom de Jésus, et ici au ministère, le Seigneur Jésus-Christ, nouvelle génération, au travers de son service de prophète et bis. Continue to watch your screen, so let's pray in the name of Jesus, to heal, to save, to deliver. That is the name of Jesus, walking to his 97th prophet bis. Here in Salvation Christ Ministry, new generation. Continue to watch your screens. Continue to suivre vos écrans. Jésus, vous avez donné l'autorité et la puissance pour continuer la mission. Et c'est ce que nous voyons ici au ministère du Seigneur Jésus-Christ de génération. On fait des bises, fait partie de ces disciples qui avaient reçu la puissance et l'autorité de Dieu pour continuer cette mission de la délivrance, de la guérison, de libération. Ça, c'est la parole de Dieu qui devient réalité ici au ministère des Seigneurs Jésus-Christ de génération. Continuez ainsi vos écoles. Jesus gave them authority and power to continue the mission. And that is what we are seeing right now in Salvation Christ Ministry New Generation. Prophet Abis, be part of the apostles that receive the authority and power to continue the mission. That is what we are seeing now, the manifestation of the power of God. What just means? The power to set free, the power to deliver, the power to save, and the power to bless. This is what we are seeing right now, the arena of liberty. Effectivement.
How are you, brother? Comment te sens-tu, frère? Comment ça va? Talk louder. Je me sens libre, je me sens libre. What is vibrating you? Qu'est-ce qui t'avait vibré? C'est comme si j'avais fait les nerfs vibrés. Comme si j'avais fait que tu as senti. Oui. Hein? Oui. Tu es libre, Jésus-Christ a libéré. Your free Jesus has set you free. That is the fire of Holy Ghost. Ça, c'est le feu du Saint-Esprit. When you descend that fire of Holy Ghost in the atmosphere, something is happening. Quand tu fais descendre ce feu du Saint-Esprit, quelque part quelque chose se passe. Thank you.
voulait une fille de plus là. C'est une fille qui va arriver. Donc pour la fille là, oh Dieu, c'est une étoile, mais elle ne va pas vivre. Elle ne peut pas vivre avec l'enfant là. Elle part les deux parts. Donc tu fais faire quoi avant cette grossesse? Elle va même accoucher avant terme. Elle va accoucher avant terme. Ce sera un enfant qui va venir avant même qu'elle ne soit née. Peut-être même d'ici 2-3 jours. Ok, ici, vous avez 3 jours qu'elle va accoucher. Bon, quel est ton mauvais plan contre cet enfant? L'enfant va être prématuré. Et puis là-bas, à l'hôpital, ils vont faire je ne sais pas quoi. Et puis, elle va partir. C'est ça? Donc, elle va partir. Elle va partir. Oui. Et l'enfant va rester. Non, c'est l'enfant qui va partir. Elle doit encore travailler. Elle doit encore nous donner de l'argent. Tu vois les mains là? Elle touche l'argent, mais elle ne fait rien. Parce qu'on prend le mec que tu vois là. Elle sait travailler l'argent. Mais elle ne rien, c'est pour nous. Oh, ok, d'accord. D'accord. Donc ça veut dire que cet enfant aussi doit partir. C'est pour nous, oui. C'est ça votre plan. Oui. Donc maintenant que tu es déjà avec elle là. Vous êtes tous déjà avec elle. Est-ce que tu peux encore avoir à prendre cet enfant? C'est moi qui décide. C'est moi qui décide, non? C'est moi qui décide. À partir d'aujourd'hui, il a pris la mort subite. Né au niveau de tête, au niveau de ses enfants, au niveau de sa famille, il y aura tout puissant de ses enfants. Oui, prends tes bagages. Prends tes bagages. Hein? Tu vas aller en enfer. Par le nom tout puissant de Jésus, tu vas dans la paix. The mighty name of Jesus Christ. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Free. Leave. Jesus' name. Good. Non puissant de Jésus. Si vous voulez acclamer, acclamer, c'est comme pour Jésus. Dans la vie de l'homme, vous avez libéré votre équipe. Il n'y a aucun problème que Jésus ne peut pas régler. Il est
le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est changé. Et il n'a jamais dit au revoir. Ce qu'il a fait hier, c'est ça qu'il a tué de fou. Monsieur le ministre des Salaires Jésus-Christ, nouvelle génération. Mais
Amenez-les. Amenez-les. Ce sera le gouvernement de Jésus, à Satan et ses agents. Femme de nuit, mange tes rêves, fièvre typhoïde, mal d'estomac, maux de tête depuis 17 ans. Il n'y a rien qui est possible. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus. I command you. Je te commande. Your darkness. Toi tes lèvres. Fire! This is not your temple. Ça c'est pas ton temple. I put fire on you. Je mets feu sur toi. Fire! In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Fire! Mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Fire! Mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Fire! In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Fire! Mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Fire! Non puissant de Jésus Christ. 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 Quand tu n'as pas une valeur pour la puissance de Dieu. Ça c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Quand Dieu bouge, la puissance bouge. Quand Dieu réagit, la puissance réagit. Ça, c'est ce que vous voyez ici. Les actes des prophètes Élis au ministère du Seigneur Jésus-Christ en régénération. La Bible, ce n'est pas l'histoire, mais c'est lié. C'est des choses qui se passent. Ça s'est passé hier. Ça vient de passer aujourd'hui dans nos jours. Ça, c'est le cours de Jésus. You too, the power in me
Seigneur. Amen. Je sais que je ne suis pas seul, mais la puissance qui est en moi vous fortifie. Lord, how are you? Frère, ça va? Fine. The Lord has set you free. Amen. Dieu t'a libéré. Follow Jesus. Suive Jésus. Your past is over. Ton passé est passé. A new beginning for you. Et un nouveau commencement pour toi. Merci Jésus. Acclamez très fort pour Jésus. Nous sommes toujours à la depuis qu'elle a voulu être dans le mariage,
Avant, je la laissais libre, mais elle a décidé. Une fois, je l'ai poussée à faire un avortement. Le jour-là, elle a pleuré toutes les larmes de son corps. C'est toi qui l'as couché pour faire cet avortement. Hein? Trois avortements. Quatre. Cinq. Le dernier, elle a pleuré jusqu'à. Elle a dit tu. Avant qu'elle a 35 ans, si elle n'est pas dans le foyer, elle n'est pas plus. Regardez un homme. Elle n'est pas plus. Fais ce qui est bien. Elle a pleuré. Pleuré jusqu'à. Elle a dit Dieu, si tu me donnes un mari avant mes 35 ans, quelque chose ce qui arrive dans son foyer, jamais, elle va regarder derrière. Quel que soit le problème qui va arriver, elle ne va jamais décourager. Ah, c'est ça qu'elle a dit. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Et là où je l'ai attrapée, parce qu'elle ne connaît pas comment prier. Elle cherche les paroles pour prier. Une fois pas. Hein? C'est là où tu l'as attrapée. Oui. C'est ça son point faible. Hein? Oui. Si elle était une personne qui est vraiment sérieuse dans la prière, ça veut dire que tu n'arrives pas à l'attarder. Non. Mais comme elle est faible, c'est là le point faible que tu utilises, n'est-ce pas? Elle a deux points faibles. La deuxième, c'est quelle? Une mauvaise pensée. Quand je la mets de mauvaises pensées, elle dit toi, mon passé, je te soumets à le sang de Jésus. Je pars. Dès qu'elle voit quelque chose qui est mauvais, les pensées bien. Dès qu'elle voit quelque chose qui n'est pas bien, c'est là où je tacle. Ça se sent, c'est pour le faire. Et tu utilises pour l'attaquer, hein? Oui. Ok. Alléluia. Amen. Si vous avez dit quelque chose, j'ai dit, hein? Stop. Les pensées négatives. Cette négative thought. Le Satan utilise pour détruire la vie de quelqu'un. Satan utilise pour détruire la vie de quelqu'un. Vous avez vu ça? Vous voyez ce qui se passe? And you see what is happening? Quand tu as des pensées négatives. When you have negative thoughts. Mauvaise pensée contre ton prochain. Evil thoughts against your neighbor. Ou contre ta vie. Or against your life. Oh, je ne peux pas réussir. Cette personne-là, il a fait comme ça là, mais il est comme ça. Now this person has done this, but the person is this like this. Non, moi, je le suspecte, il est comme ça. No, I suspect this person is like this. C'est le pensée. Négatif, c'est les seules pensées. Ça, c'est le pensée que le diable te tourmente pour détruire ta vie et pour aussi pour te mettre en captivité. These are the negative thoughts Satan uses to manipulate your life and to put you in captivity. L'enfant de Christ ne doit pas penser négativement. A child of Christ should not think negatively. Voilà ce qui se passe. This is what is happening. Donc, qu'est-ce que tu as planifié pour son mariage? Quand son mari a programmé pour aller la doter, j'ai fait beaucoup de choses. Tu as fait beaucoup de choses. Dis-moi vite. Je voulais empêcher le mariage. Le mari est là. Il est là. Si tu es le mari, viens ici. If you are the husband, please come out. Oh. Oh, God, come closer to your wife. Viens approche-toi de ta femme. J'ai fait beaucoup pour l'empêcher de ne pas aller épouser la fille. Mais avant qu'elle décide d'aller épouser la fille, elle avait le sentiment qu'elle aimait son mari bien. Et parle vite, je n'ai pas ton temps. Parle vite. Elle aimait son mari
tout ce que son mari faisait, elle était satisfaite. Mais depuis que son mari l'a épousé, il n'y a plus de satisfaction. Elle n'est plus satisfaite. Elle n'est plus satisfaite. Tout ce que le mari fait, oui. Elle ça ne la satisfait pas. Mon Dieu, ça c'est dangereux. Elle-même, elle s'est dit, c'est Dieu qui l'a donné le mari là. Un jour, il y aura une fin. Tu ne peux pas me faire quitter mon mari. Tu ne peux pas me séparer de mon mari. Ça, c'est ce qu'elle-même a dit. Oui. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'arrive là? Elle est arrivée. Elle est arrivée. Tu étais dormie. Non. Mais qu'est-ce qui t'arrive pour que toi-même tu la permets pour venir ici? Elle disait que, Seigneur, je sais que je suis un pécheur, mais délivre mon foyer à ta miséricorde. Elle parle comme ça. Oui. Et Seigneur parle dans ta fête pour toi, démon. Ça m'a dérangé. C'est là où tu as joué ton plan. Oui. Ah. Est-ce que vous comprenez? Hein? Quand une femme n'est pas satisfaite par le pire, par le moyen qu'on est la donne ou on fait pour elle, qu'elle n'est pas satisfaite, il y a quelque chose qui ne va pas. When a woman is not satisfied with the little that the husband gives her, or all the effort of the husband, she's not still satisfied, something is wrong. Il y a les femmes comme ça. There are women like that. Femme de nuit, mange dans les rêves, tiens typhoïde depuis 11 ans. Il y a des femmes comme ça. There are women like that. Tu peux vendre même tout ça là pour les donner. Il n'est pas satisfait. You can sell everything to give them and still don't not be satisfied. Et l'homme est devenu un esclave de la femme. And the man becomes a slave to the woman. Dis, je refuse. Je refuse. Eh, parle, dis, je refuse. I refuse. Dis, je refuse. I refuse. Il y a des maris aussi comme ça. And there are husbands like that too. Il n'est pas satisfait. Never satisfied. Un bon femme qui a donné même un petit truc, elle est contente. Et vous le petit, le petit peu, elle est contente. Elle m'a même vraiment apprécié. Oh, tu as fait bien pour moi. A good woman, you give her a little bit, she's satisfied and she appreciates that you have done a lot for her. Mais aujourd'hui là, tu es joué. But to love you. Who is this toxic to you? Friend. Elle est qui pour toi? She's my lovely wife. Your lovely wife. C'est ma femme bien aimée. Ok. Qu'est-ce que toi tu peux dire concerné à ce que le démon a te déparé? Oui. Tu sais a dit la vérité. Au moment que je voulais la redoter, c'est devenu un combat pour moi. Un grand combat. Imagine-toi quelqu'un qui va quitter au Gabon à louer chez elle au topo d'aller lui doter. Montrer de l'argent que je devais aller l'inoter avec, j'ai gaspillé ça d'abord dans la maladie. Dans la maladie? Yes. Parce que j'ai vu que non, c'était un combat pour moi. Et c'était une femme qui on a déjà d'abord des enfants. Et c'est pas quelque chose que tu dois abandonner. Ta femme que tu aimais, vous avez déjà des enfants, tu ne peux pas dire que tu vas chercher une autre femme. C'est pour cela que j'ai décidé que non, obligé, je vais la épouser. Mais forcément, j'ai prié à Dieu. Je dis Dieu, ça c'est un combat pour moi, le diable ne veut pas que ça arrive. Mais finalement, j'ai réussi à aller chez elle à domicile, d'aller la doter chez elle. Elle a doté, mais avant de la doter, il y a l'empêchement. Oui, il y a beaucoup de difficultés, si. Comme le démon a dit. Si. Mais finalement, tu as réussi. Si. Mais depuis le jour là, vous êtes dans le combat. Toujours le combat. Mais aujourd'hui, finalement, elle est en train de délivrer, n'est-ce pas? Yes. Ok. Elle sera délivrée. Tu connais bien que chaque chose qui se passe dans la vie de quelqu'un, il y a un esprit derrière. Si. Donc là, ça c'est l'esprit qui cause la confusion, qui cause le problème maintenant. C'est cet esprit-là qu'on est en train de dire pour dégager. Si. Donc là où tu voyais là, elle sera délivrée. Amen. Donc, quand elle sera délivrée, il y aura la paix, il y aura la joie. Amen. Donc, elle sera ta femme. Regarde. Prends tes bagages, tes maladies, regarde vite. Il n'y a quoi comme les maladies que tu as là-dedans. Hein? Le ventre. Les quoi? Combien? Le quoi? Elle a tout sujet, le chauffement dans le corps. Le chauffe. Son corps s'achauffe. Elle ne peut pas s'asseoir une heure et temps. Il faut qu'elle bouge parce
qui a cet humain. Yeah, that's awesome.